amis, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose un essai, ou plutôt une présentation de la toute nouvelle 350 Royal Enfield Meteor. Alors, c'est un film que j'ai réalisé pour le célèbre showroom Royal Enfield de Nice, dirigé par Benjamin, un film qui est déjà publié sur les réseaux sociaux du showroom et aussi de la marque, bien sûr. Donc, du coup, je voulais aussi vous le présenter. Je reviens vers vous juste après car j'ai deux, trois petites choses à vous communiquer. Allez, à tout à l'heure. Bon film, salut. Départ depuis la concession Royal Enfield à Nice. Tu vas essayer cette nouvelle 350 Royal Enfield Meteor. Écoute, régale-toi bien. On se retrouve Merci. Tout à l'heure au café pour le débrief. Tu nous diras un petit peu ce que tu en as pensé. Avec plaisir. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Benjamin. Alors Seb, raconte-moi comment c'est passé. Ah, coup de super Benjamin, j'ai pris dès que je suis parti du magasin en ville, la moto c'était vraiment facile de prise en main, une moto très maniable, j'ai trouvé tout de suite. J'avais peut-être un peu d'a priori au niveau de la cylindrée,
Mais écoute, finalement, après avoir pris quelques cols, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir au guidon de cette moto. Vraiment un super essai. Ouais, c'est une moto qui est facile, hein, qui est facile de prise en main tout de suite. Très facile de prise en main, les commandes sont souples. La moto est vraiment très agréable à piloter, ouais, vraiment. D'accord. vraiment. Et question motorisation, qu'est-ce que tu as pensé du moteur au final ? Écoute, le monocylindre 350, pour moi, ça fait le job. D'accord. On pouvait peut-être avoir quelques a priori avec ce qu'on pouvait lire un peu dans la presse. Sur la cylindrée, par rapport à la cylindrée, hein. Et finalement, bah, tu te rends compte que ça suffit sans problème, ouais. Les 20 chevaux sont là. La moto cruise vraiment comme je voulais, donc vraiment super essai. D'accord, plutôt positif. Ouais, vraiment très très positif. Mais tu vois, cette facilité de prise en main, c'est ça devient propre au Royal Enfield. Hein. On l'a vu avec le 650 d'Interceptor et la Continental GT. On sent bien que Royal a passé un cap. On a des motos qui sont, comme tu l'as dit, hein, qui sont rassurantes et qui sont faciles de prise en main. Ça, c'est cette collaboration avec Harris. Enfin, cette collaboration, maintenant, Harris appartient à Royal Enfield. D'accord. Et on a, même sur des motos comme la Météor, qui sont assez, on va dire, basiques de conception, avec un châssis tubulaire classique, mais qui est bien fait. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti vraiment. Une moto avec. On a l'impression d'avoir une grosse moto. Finalement, elle est très très maniable. Au fil des kilomètres, on sent vraiment à l'aise à son guidon. J'ai vraiment bien aimé. Ouais. Vraiment, apparemment, c'était plus. Ouais. Ouais, vraiment. La couleur aussi, l'esprit Royal Enfield, c'était vraiment bien. Ouais. Ouais. L'esprit Royal, c'est parce que tu as. Et je sens qu'autour de cette marque, il y a des gens qui m'ont fait signe sur la route. Ah, ouais. J'ai pu voir ça. C'est une moto qui attire le regard. Donc on se sent flatté à son guidon. On sent qu'il y a une histoire. Quoi. Et on sent qu'il y a une histoire qui véhicule autour de Royal. Ouais, vraiment. Je conseillerais cette moto à pas mal de motards, que ce soit des jeunes permis à deux, ouais. Ou un motard expérimenté comme moi qui n'a pas fait de moto depuis très longtemps. Donc on l'a vu, hein, une moto facile, bien conçue, avec laquelle on prend du plaisir assez rapidement. Un tarif abordable, ouais, hein, ouais, 4,90 euros pour cette version. C'est ça. Une marque avec une histoire derrière, 3 ans de garantie sur ce modèle 350, ça c'est important de le rappeler. Bon, et du coup. Et c'est très concluant pour moi, Benjamin. Écoute, ça mérite que je te paye un coup. Hein. Ah ouais, cool. Mais avec plaisir. Vraiment très attachante cette petite Royal Enfield, cette météore jaune qui est la future vedette, entre guillemets, d'un documentaire que je suis en train de tourner à Menton. Cette moto m'a été prêtée pour confier par la CIMA, par Royal Enfield, pour réaliser mon documentaire. Je vous en dis pas plus. Vous aurez certainement remarqué que depuis quelques temps, je porte cette très jolie veste Royal Enfield. Alors, elle m'a été offerte par la CIMA pour me remercier pour mes films, évidemment, mais aussi pour mon engagement pour la marque. Un premier geste qui en appellera peut-être d'autres. Je voulais vraiment les remercier. Vous trouverez toutes les informations sur cette veste dans le descriptif. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Salut, ciao. Et n'oubliez pas d'être heureux. À bientôt. Salut, les amis. Ciao.